4e édition GAZ KOLE et son événement que nous commençons il y a 3 ans de ça et nous commençons le tout petit côté que c'est un meeting avec plusieurs monde qui ont des machines, motos, des bails comme ça que nous avons fait à l'époque et derrière Villa Rousseau. Villa Rousseau, exactement. Nous avons fait 2 éditions l'autre bord et l'année dernière nous avons fait 1e édition, nous étions là qui c'était GAZ KOLE 3e édition. Et année ça, nous essayons de faire un bail qui est plus grandiose côté que nous invitons tous les concessionnaires en plus de nez qui remettent les machines pour exposer les machines. Et premièrement, bon, Jean-Sébastien Jérôme Dillan. Et ça fait 4e édition qu'on a fait qu'on y a là. Et Cafe Selecto depuis le début avec GAZ KOLE. Et chaque année, nous avons fanatiques qui viennent, fanatiques qui augmentent tout, plus café à boire tout, les gens viennent qui s'enjoy café à tout. Donc nous-mêmes, même dans tout que les gens aiment les machines, les gens aiment les cafés. Donc chaque année, ils encouragent nous tout pour que les fanatiques qui viennent boire Cafe Selecto. De participer dans le show machine ça pour que nous mêmes tous nous baillons satisfaction. Comme nous dans le domaine et sport motorisé, machine, et nous mêmes tous qui dans le groupe là, nous avons des machines et nous aimons ça. Nous connaissons qui est-ce qui dans le domaine qui a fait des rénovations dans la machine, qui a fait des upgrades en puissance de machine, qui a fait des upgrades cosmétiques et nous toujours contacter pour nous offrir une exposer. C'est comme ça que nous-mêmes, comme nous aimons les machines et comme tout, nous avons des machines, nous connaissons qui est dans le domaine qui est capable de exposer aux bagages qui appellent à spectateurs, à l'audience qui est là, qui viennent chercher aux bagages qui que vous pas habitué à dans la rue. Parce que toutes les machines qui sont là, ce n'est pas des machines chaque jour, c'est des machines que mettre au conduit ou leur comme ça, c'est des objets de collection, nous avons dit que oui. C'est ça qui fait que nous offrons à le public. À venir là dans Cercle Bellevue à garder l'exposition d'automobile ça qu'a fait là. Il y a des gens qui fait tout le long de l'année, il a préparé les machines, il a rangé des petits détails. Et ça, il remet avec lui. Tout comme il remet ça, le living là, sur le grand public, il y a différentes opinions. Il y a différents gens qui disent, ah, si tu fais ça, tu es plus belle, si tu fais telle couleur, tu es plus belle. Et il prend, il absorbe l'information ça, qui pourrait permettre de travailler pendant tout le long de l'année. Jusqu'à l'année prochaine, à la prochaine GAZ KOLE. D'année en année, nous comptons qu'il y a plus de monde qui est intéressé à faire des machines. Ça nous a vraiment travaillé sur l'année, ça c'est le timing. Côté que nous voulons que avant 9h, toute machine soit déjà exposée pour que les gens viennent commencer à garder les machines. Que ces concessionnaires, côté concessionnaire depuis hier, ils sont venus installer, ils ont fait toutes ces dopes. Et que c'est moun disons particulier qui vient exposer machine performance tout le monde est à l'heure en état.
les clubs, l'association des pilotes d'automoto, l'autosport d'Haïti, GAZ KOLE Entertainment, et tous les fans et amours du sport, et moi aujourd'hui les remercier et les encourager pour ce qu'ils ont fait pour nous. Je vais passer le micro au représentant des assurances Léger qui va remettre ses primes. Monsieur Léger, tu comprends? Monsieur Judith Foblas, pour moto, les motos, on avance un petit peu Judith pour que les gens puissent le voir. Tu peux mettre la plaque avec les photos. Allez, avancez. Judith, alors, Bibi, c'est un jeune et dans son père, coureur de moto aussi. Bibi a gagné plusieurs courses en République dominicaine et si vous descendez du côté où se trouvent exposées les motos, vous allez voir une table avec remplie de trophées. Il a fait honneur aux Haïtiens. Bravo, chez nos voisins. Bibi, bravo. Bravo. Dernièrement, bien saisi, moi, monsieur, sous une masse, la bureau automobile. Mais, mon cher, si vous parlez de bonheur, on parle de gaz. Et monsieur prouvé ça en République dominicaine. Monsieur allé, monsieur champion, plusieurs fois. Monsieur Meir Vakin, Mototech. Pour les voitures, bon, ça fait 30 ans dans l'automobile. Ma foi, ma formé des cap-couteau. Et il y a des qui ont des talents là, caillou, il y a des élèves qui récents et qui très fougueux. Et je dis à me féliciter et deux pilotes qui persévéraient, qui ont couru en République dominicaine malgré toutes les difficultés et qui prouvaient qu'il y a des potentiels. Et maintenant, il y a Doutou Tunier, Richard Tunier, qui était couru 4 roues, qui était champion 4 roues et qui changeait pour les lacs dans l'automobile. Et monsieur commençait à faire sentir la capacité. Et probablement l'année prochaine, monsieur a parmi les 3 meilleurs d'après moi, d'après j'aime la produire. Doutou Tunier? Yes. Tu même ça? Yes. Mes compliments. Merci. Et l'année dernière, alors n'est qui pas qu'on fait sport, ils pas comprendre ça me bral dit là. Parce que l'on au championnat et que en face où pour gagner des nèg qui fait ça seulement, qui compite avec vous, qui gomme avec vous. Donc on arrive à faire une année que vous compétition dans une compétition très serrée et qu'on joue un moyen. Pendant toute saison, vous dominez jusqu'à ce que dans la fin d'année, que tout le monde reconnaisse que c'est vous champion. Pas de discussion là-dedans. Ça mérite un gros applaudissement. Et mesdames et messieurs, Jackie Kaoli qui a été champion. Champion en République Dominicaine pour toute l'année au nom de Haïti avec drapeau Haïti sur machine li. Jackie. Ok. Et m'a profité de remercier et GAZ KOLE pour l'initiative ça. Et je pense que monsieur Sayo a bas moins plus encouragement hein, pour l'année qui vient hein, pour me connaître que yo avec moi. Et ma remercie encore et puis mon même président qui est toujours là pour tout. Qui toujours à faire un compliment. Allez, un applaudissement encore pour Jackie. Merci beaucoup. Allez, allez. Nous-mêmes membres organisateurs de GAZ KOLE Entertainment, pour nous remercier tout d'abord Cafe Selecto parce que l'idée Cause and Coffee
nous besoin machine yo pour nous remercier moun qui vient exposer machine yo tout participant tout exposant yo et concessionnaire pour nous remercier yo, et Cafe Selecto parce que c'est ça le concept c'est yo pour nous remercier parce que sans yo et pas la bien cause encore.